سليم أملح، مرحبا بك، لاباس عليك؟ فليستاسيون. واش ماكرون اليوم ضد كورتخي ميغيت جوج لواحد؟ Je pense qu'on mérite la victoire. Hein. Deuxième mi-temps, on n'a pas vu une équipe de Courtrai compensée. Donc on a bien maîtrisé la deuxième mi-temps. Le deuxième goal, il a été mérité. Quand tu arrives bien à Courtrai, il a battu la phase classique pour le play-off. Quand tu arrives, la qualité d'une équipe forte qui est venue ici à Moucron. Oui, Courtrai, on savait que ça allait être une bonne équipe. Hein. Après, on connaît la qualité du groupe, mais aussi on a des bons joueurs. Je pense que première mi-temps c'était équilibré dans les deux sens, mais deuxième mi-temps on a surclassé Courtrai. Depuis 2014, Moucron en première division, elle n'a jamais gagné le Courtrai ici à domicile. C'est la première fois. Alors, franchement, je ne savais même pas. Mais 6 matchs, Courtrai a gagné. Ça fait plaisir. On se devait que quand on devait gagner, on a plus rien à jouer. On joue librement, on joue comme on sait jouer, donc ouais, on a fait le match à fond et on a pris les 3 points. Yannick Bissibeli, comme ça, c'est qui a fait vraiment gagner Moucron aujourd'hui? C'est l'esprit d'équipe? Ouais, le coach il a demandé qu'il y ait un collectif dans l'équipe, qu'on se bat les uns pour les autres, et chose qu'on a fait aujourd'hui, on a montré qu'on avait beaucoup de caractère et on a pris les 3 points. Yannick, pour Selim Amlah, Play-off vidéo, pour plaisir ou pour d'autres choses? Ouais, après, Play-off 2, c'est encore une fois, on n'a pas beaucoup d'enjeux. On sait que le club n'a pas pris la licence européenne. Donc pour nous, on prend les matchs qui viennent et on les joue à fond. Bismel Selim, l'objectif direct va être Play-off. L'objectif Play-off, mais on n'a pas vraiment d'objectif. Comme j'ai dit, personnel. Bah, essayer de marquer le plus possible dans l'équipe, mais surtout faire gagner l'équipe et prendre le plus de plaisir, ça c'est important. Tu encore ma Moucron? On verra, l'avenir nous dira. Allah wa alim. Yak. Inch'Allah. Selim, tu as nommé pour le meilleur joueur espoir dans le championnat belge. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de... Ouais, j'ai appris ça, tu me l'avais dit l'autre fois. Donc, ouais, on va venir à la cérémonie, Inch'Allah. Et voilà, que je sois dans les meilleurs ou pas, on va regarder ça bien et on va passer un bon moment. Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran.